Clap, bonjour, super, je peux mettre un mixem dans le titre, tout ça pour les vues. Et oui, et ouais, l'argent. Bon, plus sérieusement, dans cette vidéo, on va regarder, on va visionner, on va visionnaliser mon setup. C'est parti. Bitch, niggas ain't this, look. But I wish I got some. Spending all my money, but I shit don't work. Tell me what I done wrong. Trying to recall. Donc voilà, je vais commencer à vous le présenter tout simplement. Donc on va commencer par la partie décor. Donc là c'est mon décor. On peut constater une très belle carte Fortnite, ainsi que une très belle boîte Adidas comme ceci, avec mon logo. C'est un YouTube Super Dragon. Et ouais Super Dragon. Mais non, Japon, Team Japon, Rai. Ça, c'est le truc que j'ai eu au Gotagacho. Seulement avec Omen que j'ai eu à la Paris Games Week avec André Manez. J'ai pas mal son nom. Attendez, en fait, franchement, niveau setup, mon setup il est même pas rangé. Pourquoi j'ai ça là? Pourquoi j'ai ça? Qu'est-ce que. Pourquoi? Comment ça se fait que j'ai une canette de truc de McDo? Comment c'est possible? Attendez, faut que je m'en souvienne. Ah oui, ça revient. Là, ça m'a bien halas. J'ai bien mangé. Là, je vais rentrer, je vais te bloquer. T'as vu, c'est carré ou pas? On fait ça ou pas? Carré? Vas-y, carré, voilà. Ta gueule. J'ai bien mangé, carré. Ma bière halas, carré. Là, je vais rentrer, je vais bloquer. Carré. Là, je mange bien là, mais t'es halas. Halas, 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 halas. J'ai également une petite lumière. C'est des... En fait, ça, j'ai acheté ça en Angleterre. Ils m'ont dit, ouais, mais Néo, t'inquiète pas, ça va marcher cette lumière. Elle va être bien parfaite pour ton décor. En fait, le truc, ce qui s'est passé, c'est que cette lumière ne fonctionne pas. Vous comprenez, cette lumière ne fonctionne pas. Je vais montrer. Que ça fait. Ok. Si ça marche en pleine vidéo, les gars, je pète un câble. Ok. C'est une épreuve dure pour tout le monde. On se répare. Mentalement, j'arrive pas à l'allumer. J'arrive vraiment. Ah. Bon, on va faire comme ça, putain. On se prépare mentalement, physiquement. Attention. C'est parti. J'arrive toujours pas. Attendez. Let's go. On le voit. Ça tourne. What? Ça tourne. Non, ça s'allume pas, oh, ok, super. Ensuite, j'ai tout simplement, c'est mon travail d'art plastique, tout simplement. Et dites-moi dans les coms, dans le petit i en haut à droite, si c'est bien, parce que comme ça, vous voyez, je pourrais montrer à ma prof, ouais, mes abonnés, ils aiment bien ça et tout, c'est cool. Et puis, voilà. Donc là, on était dans la partie haute du décor, maintenant, on va voir la partie basse du décor, du coup. Et bah, là, tout simplement, il y a des livres quand j'étais petit, tout simplement, avec quelque chose de, ma foi, passionnant, c'est-à-dire des dents. Super. Un petit... Non, tu trolles. Non, arrête de troll. Ah, ma dent, elle est tombée. Non, par contre, je viens de les casser, quoi, mais non. Bon, c'est pas grave. On va les remettre. Tout simplement un livre aussi Ariol. Oh, c'est mignon. Un J'aime lire Max. Oh, qu'est-ce que c'est mignon. Un livre pour devenir... les youtubeurs. Que je n'ai jamais lu parce que je veux. Et ben parce que... Pourquoi je l'ai pas lu en fait? Bon, on va lire. Comment devenir youtubeur. Jean-Baptiste Vier. Alors, première page. Alors quoi, j'ai la première page. Comment transformer un spectateur en abonné. YouTube met à disposition des vidéastes, tout plein d'outils permettant d'inciter vos spectateurs à s'abonner à votre chaîne. Un branding... qui s'en fout. Abonne-toi par contre, du coup tu vois tes spectateurs, tu t'abonnes. Donc maintenant on va passer à la partie setup. Donc mon setup, tout simplement, enfin on y est arrivé. Il y a une tablette qui va nous servir à rien. On a donc un clavier, il manque une touche. Bon, c'est pas extrêmement grave, je m'en sers pas pour jouer par exemple, ni pour c'est la touche 1, donc forcément il y en a un ici aussi. Donc il y a, c'est un clavier avec des switches bien sûr, des switches que je peux mettre grâce à ceci, je peux le baisser, je peux l'éteindre, je peux faire tout, je peux tout faire, pardon. Ensuite, j'ai une fourchette, je sais pas ce qu'elle fait là non plus, j'ai un truc, une enceinte JBL pour mettre du bon son, t'as vu. Je me rappelle, j'avais rien, je traînais tous les jours dans le bad set. J'enchaînais, je suis joué, quand j'étais chaud, j'allais voler. En cours, j'étais plutôt violent, en aucun cas, je me laissais faire.
coup il y a aussi j'ai deux écrans. Ça ça change tous les deux écrans. Il y en a un donc du coup c'est pour le chat et il y en a un autre que c'est pour t'as compris quoi. C'est pour ça c'est pour bah, mon écran principal pour jouer ou pour ouais pour jouer ou pour monter tout simplement. Et puis il y a une petite lampe. Bon cette lampe à l'époque je l'ai changée. J'ai voilà ma chaise est vraiment elle est pas c'est une chaise de cuisine quoi. Je pense n'importe qui aurait mieux, tout simplement. N'importe qui aurait mieux. Je vais vous dire tout simplement ce qui est à l'intérieur de mon PC. Il y a plutôt du bon matos avec un Intel Core i5 dernière génération, donc 7e, tout simplement pour des bons montages, pour bien jouer tout ça, pour bien stream. D'ailleurs, si je suis en stream, t'y vas, y a pas de problème, tire le notif, tu verras. J'ai une GeForce 1060 Ti. Mon PC, c'est un Lenovo Legion Y520. Tous les produits sont en description. Et bien sûr, le petit bijou de ma boutique, tout simplement. Le petit bijou de mon setup, vous savez ce que c'est ma souris. Vous êtes prêts, vous êtes pas prêts, je pense. Vous êtes pas prêts. Oula, mec, j'ai cassé mon micro encore. Ma petite souris. Ma petite souris trop belle. Regardez. World of Warcraft. Il y a combien de boutons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 boutons. Avec les deux clics, donc ça fait 14. Elle est franchement magnifique, regardez avec les petits. Pff, oh là, ça change en fait des souris gamers normales qui sont pas pareilles que ça. Il y a mon clavier de mon PC parce que avant je jouais sur ce clavier là, moi je touchais cassé une touche en faisant des murs. Regarde le bruit, écoute le bruit vraiment. Et il y a un truc dessus, je sais pas si vous voyez d'ici, mais on peut tout simplement faire comme ça. Oula, attends. Oui. Le clavier, voilà, il peut s'augmenter en luminosité. Là, on voit pas très bien parce que. Genre comme ça. Là, on voit. Tu vois, on voit un peu que. Attends, on va éteindre carrément la lumière. Là, tu vois, le clavier, il est allumé. Ok. Ensuite, j'ai tout simplement. J'aime bien dire ça. Je crois que j'ai. Comptez combien de fois je l'ai dit. Je pense que j'ai dit 200 fois. J'ai un clavier qui est vraiment. Nul. C'est un clavier de la marque Nubo. Là, si. Description aussi. Description sur la tête, ça rend comme ceci. Et il est cassé, je pense que je vais en racheter un. Regarde, il y a des trucs dégueulasses dessus. C'est en micro. J'ai un beurre du aimant. Là, il est pas branché parce qu'il me sert à rien. Il est pas branché maintenant. Beurre du aimant, petit beurre que j'ai acheté pour mon ami. Parfait, il est vraiment beau. Hein. Il est vraiment magnifique. J'ai un repose-pied en dessous qui est un skateboard. Un skateboard en repose-pied bien sûr. Et là il y a des. Pour toquer les ballons. C'est un petit bureau qu'on peut fermer. Mec, pourquoi je fais ça? C'est quoi mon QI? C'est quoi mon QI pour faire ça? Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Et surtout à me dire, comme une fois j'ai dit tout simplement en commentaire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire surtout si elle vous a plu. C'était Néostu. Je vous fais des gros bisous. Je dors pas la nuit comme un drogue et je perds mes neurones dans la moquette. Ou je pousse à la salle pour être Donkey Kong, mais le soir je suis sous dompé. Ou si tu fais la go, moi je vais te bloquer, mais je te crois pas que je vais te doter. Je veux voir l'argent qui s'amasse dans la masse, la verdure qui tabasse. Je roule ma bosse et le boss, je le baisse. Je fais du buzz grâce aux blagues à la base.